conseils de ces plateformes d'assainir tout ça et de mettre en place des mesures anti-contrefaçon. Alibaba essaye via la blockchain de mettre en place tout ce qui est traçabilité de produits alimentaires. Donc là, ils sont en train de faire un test justement, je crois, sur des produits australiens ou néo-zélandais. Amazon aussi a annoncé que 2017 et 2018 seraient vraiment l'année anti-contrefaçon, de lutte contre la contrefaçon. Maintenant, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des milliers et des milliers de références qui sont vendues, qui sont mises en ligne par, qui ne sont pas forcément mises en ligne par eux, mais par des consommateurs lambda, des vendeurs, des marchands. Donc c'est compliqué.